Il traînait avec un groupe de jeunes à qui j'apportais régulièrement à manger. De fil en aiguille, il s'est mis à venir tous les jours pour m'aider au moment de la fermeture. On est devenus amis. Amis comment? Il a emménagé chez moi. J'avais de la place pour deux. Nous avions 20 ans d'écart, mais je m'en fichais totalement. Je n'ai jamais pensé à notre différence d'âge. Il était d'une telle maturité. Nous avions les mêmes goûts. On peut savoir lesquels? La littérature, la cuisine, le sexe. Il avait une présence incandescente. Vous êtes restés longtemps ensemble? J'ai eu l'impression que ça avait duré une éternité, mais non. Juste un été, malheureusement. Où est-ce que je me suis trompé? Tu t'es pas trompé, c'est parce que t'es pas assez malin. Merci. Allez, laisse-moi la place. Il faut remonter l'historique. Ouais, je l'ai déjà fait. T'as pas remonté l'historique de l'historique. Ah ouais, bien sûr. C'est une appli que j'ai créée. Et comme ça, on va trouver, attends, une itération encore plus ancienne. Voilà. Ah. Quelqu'un ne veut vraiment pas que tu vois ce qu'il y a derrière cette fenêtre. Oui, il y a un sort. Un sort? T'es sérieux? Ouais. On essaie de remonter encore plus loin. Et tu fais quoi? Tu remontes l'historique de l'historique de l'historique? Chut. Voilà, c'est parti. Une itération de plus, on y est. Waouh, je me sens sorcelée. Imbécile! Les activités des renseignements à Shenyang sont classées top secret. Et étant donné que des agents doubles sont impliqués dans des opérations secrètes, cela va sans dire qu'il faut absolument réexaminer la situation à Shenyang. Vous avez eu écho de certains problèmes là-bas? Apparemment, les derniers rapports que notre division nous a envoyés depuis Shenyang ont été entièrement falsifiés. Nous devons envoyer un de nos membres pour enquêter sur la situation. Tom m'a dit que c'était un nouveau dealer. Il m'avait jamais emmené avant, mais c'était sur la route du match de baseball. Où précisément? À Palm Gardens, la résidence à Newell. Celle avec les arbres blancs sur la pancarte. J'observais de la voiture pour voir si tout se passait bien. C'était un appartement au rez-de-chaussée. Porte P, je m'en souviens parce que notre fils s'appelle Paul. Le mec ressemble au Seigneur. C'est-à-dire? On dirait Jésus, il a une barbe et les cheveux longs. C'est cet homme? Oui, je crois que c'est lui. Et vous ne vous êtes fourni qu'une seule fois chez lui? C'est ça. D'accord. Vous vous fournissiez où habituellement? Je vous l'ai dit. Tom ne m'emmenait pas avec lui. C'est cet homme? Je saurais pas vous dire. J'espère que ton ami Johnny est bien rentré chez lui à Londres. Oui, tout va bien. Oh, les petits étaient tellement déçus de pas avoir pu le croiser. D'ailleurs, je crois que j'avais jamais rencontré quelqu'un de cette période de ta vie. Pourquoi tu ne m'avais jamais parlé de lui? C'est quoi toutes ces questions? Oh, ça va, détends-toi un tout petit peu. Vous rigoliez bien hier, et là tu fais une vraie tête d'enterrement. Il avait l'air gentil. Très charmant. Peut-être trop charmant même. Est-ce que tu comptes le revoir? Cathy!